un homme qui avait la tête en or. Le royaume de Babylone était dirigé par les rois Nebuchadnezzar. Oui, on n'appellerait pas ça prêcher. Les enfants, on ne les prêche pas, mais les enfants, on les enseigne. Parents, très chers téléspectateurs, vous qui suivez la chaîne Nuit des Gloires Tabernacle, très chers parents, très chers téléspectateurs, vous qui suivez Aigle Visionnaire, notre chaîne, bienvenue dans votre émission Branham et les Codim, cette chaîne ou cette émission qui amène ou vous ramène de là où vous êtes, que vos enfants viennent faire à l'école des dimanches, comment ils ont étudié, comment ils s'adaptent à l'école des dimanches. Aujourd'hui, nous sommes où nous allons entrer avec vous ensemble dans le centre Rehoboth Tabernacle où nous allons voir les enfants étudier. Qu'est-ce qu'ils vont étudier aujourd'hui? Comment ils vont adorer aujourd'hui? Parce que dimanche, c'est un jour où le chrétien adore, où il célèbre, où il commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les enfants, comment ils vont le faire aujourd'hui dans le centre Rehoboth? Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Éclaire ton visage, serre-moi, vers celui que tu aimes, serre la main de ton voisin. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tu t'appelles comment? Regarde la caméra, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jancy. Jancy, tu es sorti de la voie d'image, comment aujourd'hui c'était? C'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors qu'est-ce que vous avez appris? Nous avons appris sur la statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé dans son rêve. Alors toi un peu, tu es courageux, tu réponds très bien. Vous avez vu quoi? Vous avez étudié quoi? Nous avons étudié de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Cette statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Alors qu'est-ce qu'il avait rêvé? Il avait rêvé un animal, il avait rêvé quoi? Il avait rêvé la statue d'un homme qui avait la tête en or, le poitrine en argent. La poitrine en argent, la tête en or. Alors qu'est-ce qui représentait la tête en or, ce que vous avez trouvé? La tête en or représentait le royaume de Babylone. Alors de tous les royaumes, on vous a dit que de tous les royaumes, pourquoi son royaume était représenté en or? Parce que la grandeur de cet royaume était comparée par le prix de l'or. L'or, en tout cas, que Dieu te bénisse richement. J'ai entendu vous dire qu'il y a quelqu'un qui donne le pouvoir. Qui donne le pouvoir terrestre? C'est Satan. Que Dieu te bénisse, notre précieux frère. Bonjour. Frère Assa, vous êtes en train de suivre Branham et Codim, votre émission préférée. C'est le centre Rehoboth que nous sommes avec les enfants. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Espérance Thibault. Espérance Thibault, de retour sur derrière notre caméra. Alors, nous sommes chez vous, votre centre Rehoboth. Comment était l'ambiance aujourd'hui? Aujourd'hui, l'ambiance était tellement bonne. On nous a appris sur l'explication du rêve du roi Nebuchadnezzar. Mais aujourd'hui, nous avons juste pris la tête en or. La tête en or. La tête en or qui représentait quoi? Donc, la tête en or représente les royaumes de Babylone. Les royaumes de Babylone, qui étaient dirigés par qui? Les royaumes de Babylone étaient dirigés par les rois Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on nous a appris que le pouvoir là est allé avant Jésus-Christ, ou c'était avant ou après Jésus-Christ? Le pouvoir là est allé, c'était avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Ça a commencé des 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 539, toujours avant Jésus-Christ. Des 606 à 539 avant Jésus-Christ. Oui. Alors on a dit que le pouvoir ou la tête, l'or est la chose la plus précieuse qui soit. Pourquoi on a dit que l'or c'est la matière la plus précieuse? On a dit que l'or c'est la matière la plus précieuse parce que nous voyons le royaume du roi Nebuchadnezzar était comparé à l'or qui est donc la chose la plus précieuse. La plus précieuse, oui. Alors, un mot aux téléspectateurs qui sont en train de te suivre ou qui vont te suivre à la prochaine, un mot à eux. Un mot à eux, je les salue juste en disant que Dieu les bénisse richement. Que Dieu les bénisse richement. Alors, pour ton centre, un mot. Pour mon centre, un mot. J'ai pris juste que notre centre puisse au moins évoluer. Évoluer. Pour tes moniteurs, un mot. Pour mes moniteurs, que Dieu les bénisse, qu'ils puissent progresser dans leurs affaires. Amen. Pour les parents, un mot. Pour les parents. Oh, que Dieu les garde, qu'ils puissent toujours nous envoyer les enfants à l'Écodim. Les enfants à l'Écodim. Pour ton pasteur et ton église. Pour mon pasteur et mon église. Donc, que Dieu garde mon pasteur et que mon église puisse aller de l'avant. Que Dieu te bénisse, Espérance. Amen. Alors que les enfants sont en train de chanter les joyeux anniversaires.
anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Pendant les jours. Comment ça va? Ça va bien. Vous vous appelez comment? Prisca. Prisca. Prisca, alors que vous êtes sortie de l'école du dimanche, comment c'était aujourd'hui? C'était bien. C'était bien. Vous avez appris de la part d'un moniteur qui s'appelle comment? Papa Neville. Papa Neville, il vous a appris aujourd'hui sur quoi? Sur la statue. Sur la statue. La statue de qui? De Jésus, la statue de quoi? La statue de... Ça t'a échappé? Vous avez lu la Bible aujourd'hui? Oui. Dans quel livre? Daniel, chapitre 2. Verset 35. Daniel chapitre 2 verset 35. Alors j'ai entendu dire que vous avez appris sur la statue qui avait la tête en or, un royaume qui était dirigé par une personne, par un roi qui s'appelait comment? Il s'appelait le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar. En tout cas, que Dieu te bénisse richement. Amen. Ça va? Bonjour. Wow. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Divine. Tu t'appelles? Divine, alors que tu es sorti de l'école du dimanche, comment c'était aujourd'hui? Bien. C'était bien passé. Vous avez appris sur quoi? La tête en or. À haute voix au moins. Vous avez appris sur quoi? Tu as honte, tu as peur, tu as quoi? La tête en or. La tête en or. La tête en or de quoi? Oui, la tête en or de quoi? Qui vous pourrait nous répondre? La tête en or, c'était la tête de quoi? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Tu t'appelles comment? Prisca. Prisca. Prisca, alors que vous êtes sorti de l'école de dimanche, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons appris la tête en or. La tête en or de quoi? De la statue. De la statue. La statue, qui avait vu la statue? La statue était où? C'est la statue de Jésus fabriquée ou comment? C'est la statue de quand le roi de Nebuchadnezzar avait rêvé. Il a rêvé sur la statue. Il a rêvé sur la statue et puis... Le roi de Nebuchadnezzar a rêvé sur la statue. La statue représentait quoi? La tête en or, la poitrine d'argent et le ventre en fer, les pieds en argile et l'autre en fer. En fer. On nous a dit que ça représentait la succession du pouvoir. Alors le pouvoir a commencé par quel pouvoir? La tête. La tête. C'était un pouvoir du monde, d'un royaume ou quoi? Un royaume appelé comment? Le royaume Babylone. Le royaume de Babylone. En tout cas, que Dieu te bénisse. Bonjour, révérend. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes sur notre émission Branham et l'Ekodim. Aujourd'hui, nous sommes venus vous visiter dans votre centre où nous avons entendu vous prêcher, enseigner, ou c'était comment? Oui, on n'appellerait pas ça prêcher. Les enfants, on ne les prêche pas, mais les enfants, on les enseigne. On les enseigne. Oui. En tout cas, aujourd'hui, nous avons entendu enseigner les enfants sur quelque chose comme statut, comme quoi, c'est comment? C'est biblique, ce n'est que dans le message, ou c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer aussi. Oui, nous les avons enseignés sur la statue de Nebuchadnezzar. En fait, ce n'est pas... C'est un enseignement tiré de la Bible. Frère l'en a aussi parlé. L'enseignement est tiré de la Bible. Oui. Et Frère Madame l'en a aussi parlé. Oui. Alors nous avons entendu que cette statue-là représentait quelque chose. Ça oui. Représentait quoi, vous-même qui avez appris les sujets? Merci, maman. Les statues représentent la succession du pouvoir politique depuis Babylone jusqu'à l'arrivée. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de leur enseigner comment les pouvoirs se sont succédés comme le roi Nebuchadnezzar l'avait vu dans son rêve. Dans son rêve, le royaume se sont succédés. Alors nous avons appris que vous avez étudié aujourd'hui les débuts du royaume qui est la tête même, c'était quel royaume? Effectivement, aujourd'hui nous les avons enseignés sur le début du royaume. Oui. Le début, comme Daniel l'a expliqué, ça a commencé avec le roi Nebuchadnezzar, avec le royaume babylonien, donc en l'an 606 avant Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que le pouvoir, bien le royaume a commencé avec le roi Babylone qui était la tête en or, qui représentait bien sûr la tête en or.
Alors, ça paraît difficile avec des mots, avec des termes, avec des dates. Comment vous trouvez? Vos enfants s'y adaptent très bien ou ça les échappe, ça les surpasse? C'est comment? Oui, ça, c'est un sujet qui, même les grandes personnes aussi, ça les dépasse. Oui. Mais nous essayons aussi de simplifier les choses au niveau des enfants. Oui. Pour alors, comme aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez simplifié? On a entendu le royaume, on a entendu les dates, comme on entend toujours. Qu'est-ce que vous avez simplifié? Il n'y a rien qui est simplifié là jusqu'à Paris. Nous avons simplifié des termes aussi, oui. Comme nous les avons appris à l'école. C'est différent de la façon que nous enseignons ici. Ah. Donc, nous simplifions les choses telles que le royaume, comment ça représente, comme on nous a enseigné, mais nous simplifions un peu les choses pour dire que non, le royaume, plutôt les statuts, la succession, représente la succession, comment les pouvoirs se succèdent. Et comment ça va prendre fin, tout ça c'est pour faire voir aux enfants que un jour ce royaume que nous avons, ce n'est pas éternel, ça va prendre fin par l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ à la fin de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors comment vous avez trouvé les enfants? Ils s'y adaptent? Non, ils sont formidables. Ils sont formidables. Ils sont formidables, ils s'adaptent facilement et je les envie beaucoup et je les aime beaucoup. En tout cas, nous aimons tous les enfants, on envie tous les enfants. Ouais. Alors un mot aux parents qui sont en train de vous envoyer les enfants et qui vous font confiance. Oui, les parents, un mot que je peux leur dire, c'est que la Bible nous dit enseigner les enfants le chemin qu'ils doivent suivre oui. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en détourner quand ils seront grands. Oui. Alors nous sommes là, nous sommes disposés, c'est un appel que je lance d'ailleurs, envoyons-nous les enfants. Nous sommes là, nous nous sacrifions le matin, nous nous levons le matin, c'est pour vos enfants, pour que là où peut-être vous n'avez pas le temps d'enseigner, nous sommes là pour vous ajouter, pour ajouter les parents. Alors envoyez-nous les enfants, les moniteurs, les monitrices, les surveillants sont là, ici à l'Ecodim, c'est Centre Robot, Nuée des Gloires et là-bas. Au golf là-bas, le nom m'échappe. Life Centre. Voilà, très bien, merci. C'est ça, nous sommes là, disposés à enseigner vos enfants. En tout cas, envoyons-nous les enfants parce que c'est le vœu que nous avons fait avec Dieu d'encadrer les enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse les centres Rehoboth, que Dieu bénisse les surintendants, les surveillantes. Recevez nos bénédictions de leur part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Très chers parents, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre émission préférée, Branham et l'Ecodim. L'émission où on reçoit les enfants, où on veut avec les enfants. On vient dans leur centre pour voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils étudient, comment est-ce qu'ils s'adaptent à la matière et quelle matière les enfants reçoivent de l'école de dimanche. Très chers téléspectateurs, très chers parents, en tout cas aujourd'hui c'était le centre Rehoboth, Nuée des Gloires Tabernacle Source. Alors très chers parents, c'était merveilleux, c'était meilleur, l'ambiance était tellement, on ne sait pas expliquer cela, mais au moins que Dieu vous bénisse. Partout les parents, les enfants étudient par le message de William Branham. L'écho des dimanches est bénéfique. Très chers parents, à la prochaine fois, c'est votre frère Soutman Kalala au micro. Derrière la caméra, vous êtes en train, où il vous est transmis des vidéos par l'ingénieur Théophile Bétou, à qui nous disons que Dieu vous bénisse richement. Vous allez nous suivre sur la Nuée des Gloires Tabernacle, sur Aigle Visionnaire Tabernacle. Que Dieu vous bénisse sur Aigle Visionnaire, la chaîne des aigles. Que Dieu vous bénisse richement.